Eh bien, salut tout le monde, c'est Redbone. Aujourd'hui, on se trouve pour. Alors, je ne sais pas c'est quoi le numéro de l'épisode, parce que clairement, je suis perdu au niveau des épisodes, etc. Donc, bref, je ne vais. Enfin, de toute façon, vous le verrez dans la description. Et donc, du coup, sur le niveau de la dernière fois, on était arrivé dans la maison de. Comment elle s'appelle? Tous les. Bon, on s'en fiche. Maison de Beneviento. Une sorte de poupée en fait qui fait des animatroniques, j'ai l'impression. Et tout simplement, cette pute, elle nous avait volé tout. Notre stuff, donc il était assez juste là, puis il avait disparu. Du coup, j'avais sauvegardé, etc. Attendez, je pouvais faire un truc. Interagir. Ah. Ok. D'accord, une autre clé. Putain, la vache. Clé de remontage. Ah. Il y a autre chose encore? Pourquoi c'est la vague de Mia? Allez, enlève ça. Putain, mais il y a quoi sur elle encore? Il faudra quelque chose pour couper les bandages. Ah, j'ai plus mon coutal. Il y a une photo de Mia. Alors si on a des. J'avais déverrouillé cette porte là. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs intéressants? Il y a de l'eau ici. Ouais, c'est bien. Mais que veux-tu que ça me foute? Pour l'instant, je peux m'en servir. Bah je sais pas, on va continuer du coup. Merde, c'est vers l'autre côté. Ok. Est-ce que je peux me balader là non? Là ça me semble fermé. Il faut un code là, ok. On va continuer du coup. Pas du tout. Je dirais qu'il manque quelque chose. Et ça. Alors une chose après l'autre. Est-ce que j'ai pas manqué des trucs sur le mannequin? Attendez. Parce que s'il faut, j'ai manqué des trucs. Enfin, sur le mannequin, sur l'automate quoi. Ah si. Attends, je sais pas comment il l'enlève. Voilà, comme ça c'est bon. Ah putain, d'accord, ok. Ok, trois yeux fermés. D'accord. On a déjà un mot de passe. Enfin, le mot de passe au moins de la porte. Trois yeux fermés. Non. Voilà, c'est celui-là déjà. Ensuite, il nous manque une plaque et le mot de passe de en haut à gauche. Ah c'est cool, j'aime bien cette petite phase d'enquête. Ah non merde. Ça j'ai déjà checké. Ah j'aime beaucoup là pour l'instant, je. Alors y a pas un truc. C'est une photo de Mia, mais que fait-elle ici? C'est vrai que ça c'est bizarre. Non j'ai rien pour couper quelque chose pour couper le bandage. Ah attendez, je crois que je peux. Voilà. La tête. Ah, c'est le corbeau. Le corbeau mais qui va vers la droite, je crois. Je vais te faire regarder en fait. Mais il est là en vol. C'est ça, non? Il me manque un truc. Il manque une pièce. On va rechecker la tête. Ah non, c'est pas du tout ça, c'est. C'est d'accord, ok. Il y a une sorte de corbeau en plein vol, mais on va voir ce que c'est. C'est bizarre.
que c'était un corbeau en plein envol, mais attendez. C'est pas plutôt. Ah, attendez, il y a juste les autres trucs. Oh bah je fais rien sur celui-là alors. Et il m'en manque un, je pense qu'il doit être dans le mannequin. Enfin, dans l'automate, bref. Il y a un autre à explo. La tête c'est fait. Ouais, je sais ça. Là l'autre partie de la jambe. Là en dessous. Il n'y a rien. Ah d'accord, c'est la porte qui s'est ouverte. J'ai cru qu'il y avait un mec d'un coup qui venait. Ah, attendez. Non? Ah, je pensais. J'ai cru d'un coup qu'il y avait un mec qui venait. Ah! C'est pas un. C'est pas une plaque manquante, ça? Ah non. Je pensais. J'avoue que je coince un peu là. L'eau, est-ce. Quoi est-ce qu'elle pourrait nous servir, l'eau? Ah putain, oui, j'y ai pas pensé. Ça, j'y ai pas pensé, d'accord. Alliance. Ouais, bon, je pense que dans cette salle, il n'y a pas. Mis à part l'eau. Hop, 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 si. Oh non, je peux pas le prendre pour l'instant, dégoûté. Si je le remets à l'automate, non? Qu'est-ce que tu veux que je fous de cette alliance? 05 29 11. Attendez, la porte. Pas un code ici. 05. Non, dans l'autre sens. Hop. 29 et 11. Nice! Je m'en sors plutôt pas mal pour l'instant. Je. Même si j'ai ouais, j'ai hésité 10 secondes, je sais pas quoi faire. Mais ça va pour l'instant. On a connu. Bon bah. Pire. S'il faut y aller, j'y vais. Hein. Bon, au moins, il n'y a pas de. Enfin, je pense qu'on va avoir des screamers, mais il n'y aura pas forcément de map parce qu'on n'a pas nos armes. Je sais pas si c'est une bonne chose. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que ça fait là? C'est quoi? Ah non, d'accord, oui, non, non, je suis con! Putain! La clé de. Ouais, putain, c'est évident! Ça, ça ne fonctionne pas quelque chose, mais pas à sa place. Ah, pour l'instant, je sais pas. On va laisser ça ici. On explore un peu, peut-être que j'aurai plus de chance. Putain, mais y'a rien dans ces putains de placards, c'est pas possible. On va explorer la maison. À la recherche d'indices. Ouais, bah par contre, la porte, elle me bloque. Ferme-toi. Je peux pas passer à cause d'une porte. Fermé, voilà, t'es contente, voilà. Là, y a rien. Toujours cette petite lampe là, ça me fait penser à Margaret, vous savez, la mère de. La mère. La femme de. Comment il s'appelle? Dans le 7. On dirait que le courant est coupé. Ah merde. Ah, petite note. Souvenir de famille, le meilleur ami de Rose. J'aime beaucoup cette histoire. Ce qui compte le plus pour nous. Un cadeau de mariage offert par grand-mère. Pour d'amour éternel d'Ethan. Merde. D'accord. Une sorte de. Pour lire les anciens films, mais il manque quelque chose apparemment. C'est tout ce que j'ai, ouais, ce que je vais vérifier. Le projecteur a quelques morceaux de pellicule. Ouais, est-ce que je peux pas mettre les pellicules dans le projecteur? Enfin, est-ce que je charge les projecteurs?
Ah, c'est le tournoi disque que j'avais vu tout à l'heure. Des plantes de montagne. Keloid. Ok, j'en ai à foutre. Keloid, des plantes de montagne. Pas la bonne clé. Je ne sais pas quoi faire. Parce que là, faut que je trouve la bonne mélodie. Où est-ce que je peux trouver cette fichue mélodie? Si je reviens là-bas. Si je reviens ici. Là, je n'ai pas une petite mélodie là, qui peut se lancer. Ah, c'est toujours verrouillé de l'autre côté. Je suis allé là. Oui, c'est la pièce. Ouais, c'est cette pièce-là, d'accord. Là, il manque un truc. Attendez. Il y a un truc. Attendez. Il y a un truc que je viens de percuter là. On a vu des photos. Enfin, on a vu un truc de mariage. Et ça nous a dit une sorte de liste de souvenirs de mariage. Avec les pellicules et tout là, attendez. Qu'est-ce que ça dit? Le meilleur ami de Rose. Elle aime beaucoup cette histoire. Qui compte le plus pour nous, un cadeau de mariage offert par grand-mère, la preuve d'amour éternel d'Ethan pour moi. Parce qu'il manque des Ah non, mais à mon avis on va devoir les remettre dans l'ordre. 1, 2. Il en manque une troisième qui doit être dans la boîte à musique. Le problème c'est que comment est-ce qu'on a la combinaison de la boîte à musique? En essayant toutes les combinaisons, bordel. Non, je plaisante. Parce que je pensais qu'en fait. Est-ce qu'on peut. Alors attendez. On peut permuter les cylindres. Ouais. Ça fait pas. Il faut pas faire une sorte de signe, j'ai l'impression. Non, je raconte que de la merde. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça qu'il faut faire un signe, non? Si je raconte de la merde, s'il faut, hein, mais faire ça, hop. Non. Parce que je pensais que ça avait un rapport, le comment ça s'appelle? Preuve d'amour, etc. Enfin les la liste de trucs de swag, etc. En fait non, je sais pas là, j'avoue que bon, elle me coïncide. Là-dedans, dans le mannequin, y a pas un truc juste pour couper les bandages. Mais tu vas à la main et tu fais pas chier, merde. Non, toujours pas. Les bruits de cordes là, ça me stresse. Je sais pas, y a pas un truc là ici qui m'aiderait. Je suis caché. Non, attendez. Je suis puni. Bonsoir. On va pas faire Outlast. Je suis coincé littéralement. Là, on peut pas ouvrir. Là, bah non, c'est le signe. Ce truc-là, ouais. Ouais, j'avoue, c'est pas évident là. Je coince un peu. Y a autre chose à voir? Ah non, c'est l'œil. Ah!
Ah putain, j'ai trouvé! De quoi? Chose dans sa bouche, mais il faudra un outil pour le saisir. Ah! Bah, si tu utilises la clé ou je sais pas, utilise l'alliance. Non, merde, j'ai trompé le truc. Ah, c'est bon. J'ai trouvé ce qu'il fallait faire. Ouvrir la bouche. Ah, flûte! Parce qu'avec l'alliance, on peut pas. Ah, c'est chiant ça. J'arrive pas à trouver. Écoutez, j'ai essayé avec l'alliance. Non, toujours pas. Qu'est-ce qui pourrait servir? Qu'est-ce qui pourrait me servir à choper ça? Est-ce que je peux pas récupérer le. Sorte de petite manivelle. Putain, on est déjà bientôt à 15 minutes. À 20 minutes, merde. Putain, il est dire que j'ai. Je dis ouais, ça, je vais commencer bien, etc. Enfin, je commence bien. Je suis déter, je suis parti et tout, quoi, mais bon. Ça, non, je vais pas récupérer, ok. Ça doit être dans l'une de ces salles, hein. Ce que je veux signifier. Ah, oh, putain, ça m'énerve. L'alliance, y a pas autre chose? Une sorte de rubis. Le code. Voilà, je sais pas. S'il faut que je passe devant un truc. Je ne vois pas. Ah putain, c'est vrai ce délire de porte qui coince là. Vas-y, ferme-toi. Parce que là, il y a quoi là? Il n'y a tout simplement rien du tout. Où est-ce qu'il faut trouver le truc pour prendre la pellicule? Ah, ça me gonfle. Bon, les amis, petite ellipse, hein. Le temps que je trouve comment faire. À tout de suite. Les amis, j'ai enfin trouvé du coup, comme vous pouvez constater, j'ai ouvert le truc. Honnêtement, j'ai fait au pif à la boîte de musique. Je me suis dit, c'est pas possible que. Et que ça, donc du coup j'ai un peu trifouillé. On a obtenu la petite pincette du coup pour pouvoir avoir la pellicule, mais honnêtement j'ai fait au pif. Donc en fait je pense quoi, ouais, il y avait une idée de style, il y a des petites rayures, il fallait respecter, etc. Voilà, clairement j'ai fait au pif parce que j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que ça me semblait bizarre du coup les petites rayures, etc. Mis enceinte, ça, c'est ça le délire. Bref, hop, enfin, bordel. Allez, tac, et donc on va prendre la pincette. Ok, la pellicule. Ça fait un peu, je sais pas ce qu'il y avait, enfin si vous l'avez déjà vu, mais à l'époque où Hideo Kojima travaillait sur futur Silent Hill, la démo Pity, je trouve que ça fait un peu l'ambiance Pity, le manoir. Alors du coup, ah faut que je le classe, ok. Alors la meilleure amie de Rose en premier, c'est quoi ça? Ok. Ensuite, elle aime beaucoup cette histoire. Bah ça, du coup, est ce qu'on avait vu au début. Ce qui compte le plus pour nous deux. Bah Rose, donc c'est bon. Un cadeau de mariage offert par grand-mère et la preuve de. Ok. La dernière, ça doit être l'alliance. Ah. Du coup. D'accord.
Je pense que là où on nous a montré, c'est là où je dois aller. Oh putain, mais c'est creepy, bordel. Hein? Non, non, non. Faire quelque chose pour couper les bandages. Putain, mais sérieusement? Je sais pas, la clé, utilise la clé. Oh non. Il me dit pas que je suis encore coincé, non. Ça, c'est quoi ça? Que la pince, ouais, elle a été utilisée. Oh, ça m'énerve ça. Non, c'est pas ça, bon. Ah. Je sens que je vais péter un câble. Je vais pas me refaire toute la zone tout le temps, quoi. Enfin, ça sert à rien de faire la musique mystique alors que je suis même pas dans le couloir, quoi, merde. Faut un putain de couteau, un truc dans ce genre, quoi, merde. Oh, est-ce qu'il peut y avoir un coup de table? Non, dans mon inventaire, j'ai certainement pas ça. Putain, mais cette clé, en fait, elle me sert qu'une seule fois. Est-ce qu'à la limite, elle aurait pu me servir pour couper les bandages? Attendez, le tableau qui est tombé. Je peux pas faire un truc. Non. Pardon. Oh, oh, j'ai lâché un de série. Je suis vraiment désolé. Je sais pas quoi, qu'est-ce que je dois faire, putain. Ça commence à m'énerver. C'est verrouillé de l'autre côté. Hein. Sans blague. Bon, non, non, je vais continuer. Je fais une ellipse encore une fois, je suis désolé. Mais regarde juste. Je rentre pas comme un con après un... Bref, je fais une ellipse, le temps de trouver ce qu'il faut faire. À tout de suite. Les amis, oui, c'est bien ce que vous voyez depuis le début, la putain de paire de ciseaux était ici. Voilà. Alors attendez, avant de couper ça, je vais voir déjà ce qu'il y avait sur le putain de mannequin. Oh, putain, je raconte, j'en ai chié pour trouver la paire de ciseaux. Oh, quand je l'ai vu, je me suis dit non, c'est pas possible. Oh! On parle à Mia. Cette porte, bordel. Oh. Oh! Tant pis, même si c'est pas ça dans l'ordre. Ah, ok, c'est la dernière pièce. Alors, j'ai peut-être compris. Je vais peut-être continuer au niveau du chemin parce que ce que j'ai peur, c'est que ça me coince. Alors que j'ai besoin d'un objet en particulier. Mais voilà, je voulais juste faire ça. J'ai récupéré la pièce. Maintenant, on sait qu'on a la pièce et qu'on va pouvoir rentrer. J'ai l'impression d'être en boîte. C'est pas normal, ça. Attendez. Parce que moi, je suis tout le temps recalé en boîte. Normal, j'y suis jamais allé. Ah putain. Où est-ce que ça me mène du coup? Un téléphone. Allô? Ah lui là. D'accord. C'est un peu sombre par ici. Hein. On dirait un enfant. Ouais, on dirait qu'elle porte un enfant. Enfin, le truc porte un enfant. Ah, et ça, c'est de l'autre côté. Ok, ça va. Du coup, on arrive ici. Ok, c'est bon. On arrive ici, c'est bon, tout va bien. Oula, décidément. Et donc du coup, on met le petit médaillon qui va bien. Quoi?
Ah putain, je m'étais trompé. Ah putain, on va dans la pièce là où il y avait la vidéo. Enfin, là où la vidéo nous montrait. On est déjà 25 minutes, les amis. Waouh. Alors. C'est creepy as fuck, hein. Allez, le petit berceau. Comment tu vas, Rose? Hein? Non, t'es pas Rose, parce que Rose, elle est cristallisée. Si je monte, ça fait quoi? Oh putain, d'accord. Oh le con! Je viens de faire le tour et je suis monté par des escaliers d'où je viens. Oh la vache! Ah bah il y a une montée, c'est comme celle que je viens de prendre tout à l'heure. Ah je vous promets là, je. Oh la vache. Bon allez, let's go, tous en fer. Allez, allez. Attention, ce qui meurt un peu de temps, je prédis. Hein. Ok. Oh putain, mais non. Ah. Oh, je supporte pas les gosses qui chiolent. Allez, je me casse. J'ai trouvé la clé, je me casse maintenant. Yes. Et la petite sauvegarde qui va bien. What the fuck? La petite sauvegarde là qui dit t'inquiète pas, tu vas pas avoir peur du tout. Je commence à me chier dessus là, je vous promets. Ok, je sais pas où je suis. Je promets que j'allais te skipper sa mère. Ah. Ah. Oh bordel, ce jeu. Ah, il est incroyable. Ce jeu est incroyable, bordel. Ah bordel. Oh putain les... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est en train de se barrer, je crois. J'y vais à pas de loup. Oui mais c'est bon. La poupée là, c'est pas celle qui était sur le truc. Oh putain, on est où là encore? On est où, bordel? Bon, ça m'a l'air plutôt calme. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vois pas trop de screamer ni rien. On est déjà quand même à 30 minutes. Je me suis largement pissé dessus au moins 3 fois. Je vais changer du coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du coup de cet épisode. Bah, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas de cet épisode, tout simple. Moi en tout cas, je l'ai kiffé. Là, c'est vraiment de l'horreur pure et je kiffe. Là, honnêtement, je kiffe. J'étais à fond dedans. Avec le sort de, je sais pas, de bébé fœtus, je sais pas trop quoi.
Je me suis chié dessus, littéralement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à lâcher les pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis du coup, nous on se retrouve pour le prochain épisode. C'est un bon tout bien. Ciao, ciao.